Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.0, chers amis. Donc on est à moitié mourant, hein. Faut reconnaître que là pour le coup c'est pas la forme. Nous sommes sur une planète de type désert que nous allons aller fouiller, donc sous terre de mémoire. Il nous faudra aussi retrouver du cotton wool, mince, ici voilà, pour tout simplement être en mesure de créer cette armure, cette nouvelle armure, l'armure niveau 2 on va dire. Et donc, pour ce faire, je vais essayer d'appliquer un conseil qu'on m'a donné. Il me semble que c'est ici, hein. Hop. Apparemment non. Ici peut-être. Human flag. Voilà, il nous faut donc une barre de cuivre et 20 bouts de tissu tout simplement, hein. Donc pour ça on va essayer de trouver du tissu, ce serait déjà pas mal. Et pour en trouver il nous va falloir avant tout des lianes. Vous voyez que tout ça on l'a sinon pour le reste. Du coup je pense qu'on va partir directement en dessous. Ces lianes nous permettent aussi de nous soigner dans le cas échéant. Et ce serait peut-être pas mal. Vous voyez par exemple ici il y en a quelques-unes. Hop. Il va falloir cesser de m'envoyer des messages cela dit. Alors hop. Voilà la vie sociale qui me rattrape, c'est pour ça. Crac, et oui les geeks ont des vies sociales maintenant. 10 plants de fibers, autrement dit quasiment rien, hein, soyons honnêtes. Hop, merci d'être passé. Attention, on va pas tout casser, Marcus. Ok. Récupérons des plants de fibers. Je vois aussi qu'on a besoin de bouffer, j'ai oublié de le faire. Honte sur moi. Crac. Remarque, il doit me rester un petit peu de bouffe sur moi. Hop. Il doit me rester un petit peu de bouffe. Bref, pas grand chose. En quantité, ça me rapporte strictement rien. Ah. Ça, c'est déjà un peu mieux. On va considérer que là, on est bon. Oh là là. Bon, tant pis. La quantité utilisée est un petit peu trop grande, mais bon, c'est comme ça. Hop. Parfait. On casse ça. Hop. Récupérons un maximum de ces fibres. Une petite torche ici. Hop. Vous avez vu qu'il va nous falloir aussi de l'huile. Oula. Eh bien. Dégage. Raté. Hop. Merci d'être passé. C'est de là. Il vient par où ça passe, ça. Hop. Parfait. Crac. Bon, niveau fibre, on devrait quand même commencer à avoir un petit stock sympa. J'aimerais essayer, si possible, d'aller voir la quantité qu'on a et voir combien qu'on peut en faire avec... enfin, combien qu'on peut faire de bouts de tissu avec tout ça. Ensuite, on verra bien. Si oui ou non, c'est rentable. Je vous rappelle qu'on avait fait un champ de coton. C'est là qu'est tout le dilemme, si je puis dire. Le champ de coton est réalisé, mais sur une planète un peu plus loin. Du coup, il nous en faudrait les capacités. Ah putain, on va pas avoir assez pour en faire 20. On fait 18. Ah, oh, quelle haine. Quelle haine. Et donc, on m'a dit que les drapeaux servaient de point de téléportation comme n'importe quel téléporteur. Donc, ça m'a surpris. Je vais pas vous mentir, ça m'a complètement surpris. On va lâcher encore un petit peu. Du coup, j'ai envie de tester, parce qu'après tout, si ça fait un téléporteur presque gratuit, moi, personnellement, je ne dis pas non, hein. Hop, ça devrait être suffisant. Encore un peu, peut-être. Hop. Voilà, on va partir là-dessus, ça devrait peut-être être bon. Je vais en prendre un petit peu plus, ça m'en fera 8, comme ça j'aurai les deux, je suis sûr d'avoir les deux restantes. Voilà. Allons-y, remontons. Hop. Voilà. Parfait. Ok, de ce côté-là c'est bon. On avait vu ça ici normalement. Human flag, il me faut une copper bar. On trouvera ici, dans ce coffre. Hop. Parfait. On craft. Ok, on l'a.
Effectivement. Je suis capable de reconfigurer le téléporteur du vaisseau pour te téléporter directement sur l'endroit donc marqué par ce drapeau. Place-le et interagis avec ce drapeau pour en établir le nom. D'accord. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement bouger tout de suite, hein. On va pas s'embêter. Hop, on va ici. Normalement, c'est la bonne planète, j'espère pas me tromper. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, quelle horreur. Quelle horreur. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Plus, il est beau en noir comme ça. Il est beau le lavabo qu'il est, le bidet. Bon, c'est pas grave. On la refera pas celle-là. Je vais reprendre une canette de bouffe au cas où. Et de ça. Vous voyez que tout ça, je peux le virer, hein, ça a pourri littéralement. Hein. Ok. Smell rotten. Ça commence à sentir le pourri. Vous dégagez, c'est cool. Merci les mecs. Sympa. Le blé, normalement, ça se perd pas. Voilà. Ok. Bon, bah on descend. On va poser ce drapeau. Hop. C'est passé. Il a rien compris à la vie celui-là. Ok. Voilà, on va mettre un drapeau ici, c'est pas grave. Hop. Première. Oui, c'est vrai, il apprend pas les accents. Planète. Voilà. Et donc normalement, je peux me téléporter ici quand je veux. Alors je vois que c'est cool, ça arrose tout seul pour le coup en ce moment. Normalement, oui, voilà, c'est bien arrosé. Ok, on repasse sur l'autre planète maintenant. On va quand même faire le test. Oui, ça marche. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Donc maintenant, on a les moyens en tout cas d'avoir du coton en quantité assez rapidement. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Je vais pas vous mentir. Même tout l'inverse, ça me fait énormément plaisir. Je crois que j'avais encore une boule de coton à l'intérieur de ce truc. J'en avais même plusieurs, parfait. J'en avais même plusieurs. Ça me fait 4, 4, non c'est pas le bon, c'est ça qu'il faut. Hop, parfait. Nous avons donc la capacité plutôt de nous créer normalement 1, 1, 1. Et donc normalement on va voir le nombre de tungstène que j'ai, de barres de tungstène que j'ai. 20, parfait. Et donc je crois qu'il me faut du cuir avec... Alors, ça, c'est bon. Ok, ça, c'est bon aussi. Ah, ça me l'a coupé? Ça me l'a coupé. Ok. Faut que je laisse faire, même quand je change le truc, ça me le coupe. Ok. Et enfin, ceci. Donc, une armure plus efficace, ça, c'est fait. Maintenant, ce qui serait peut-être pas plus mal, ce serait d'avoir... au niveau de la lumière, c'était ici, non? Non, c'était pas là, pourtant. Ce serait d'avoir... C'était ici. Ah merde, je les avais vus la dernière fois. Ici? Oui, c'est ici. De l'huile. Ce serait d'avoir de l'huile pour se faire une lanterne d'explorateur et ensuite aller sur ceci. Un lanterne stick. Ce serait vraiment parfait. Et par conséquent, je pense qu'on devrait peut-être descendre sous terre. Maintenant qu'on est revenu sur cette planète. Descendre sous terre et voir justement si on peut pas en trouver. Par conséquent, on va passer par là, je pense. J'ai vu qu'il y avait une maison par là de gauche, mais bon. C'était pas par là que je voulais aller. Hop. Mince, je suis pas sur le bon. Hop. Aïe. On a quand même tapé. Ce serait bien que j'équipe aussi mon armure. Qu'en pensez-vous? On est d'accord, hein. On va pas faire la comparaison. 10, 20. Ouais, elle est mieux. Hop. Elle est mieux, elle est mieux, elle est mieux. On va pas équiper. Hop. Le reste pour l'instant. Crac. J'aurais dû remonter. De toute façon, je vais devoir remonter parce que j'ai trop de bordel sur moi. Voici l'armure en question. Et pour la forme, je garderai bien ce truc-là. Ça peut être sympa. On va remonter vite fait. Excusez-moi, chers amis, je fais du caca. Hop. Tout ce qui est du bordel qu'il faut qu'on range. Impérativement. Crac. Hop. Et j'ai pas pensé à le faire. C'est de ma faute.
C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. On va le mettre tout ça là-dedans pour le moment. Crac, 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 crac. Voilà. Ok, on va partir là-dessus. Pour l'instant, ça va être suffisant. Ici, c'est bon. Ici, c'est... On s'en fout. Tiens, c'est quoi, ça? Oh, le boss. D'accord. Ok, ok, pourquoi pas. Bon, voilà. Donc, on redescend cette fois-ci sur la planète directement. Ça m'embête pas. Et on y retourne. On y retourne. On va creuser un petit coup. Ah, en plus, en plein jour, ça va être sympa. C'est-à-dire qu'on va louper toute la partie jour et on va... Bonjour. Hop. En nombre, en plus. Bien sûr. Tiens, bouffe. Dégage. Aïe. Je suis mauvais. Je suis atrocement mauvais. On va penser à récupérer aussi un petit peu peut-être de... De commandes de fibres. Ça pourrait être sympa. Loose silt. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça, loose silt? What? C'est un cube, non? Ouais, d'accord. Silt, silt, silt. Comment est-ce que ça pourrait être? Je connais pas ce mot. Ça me choque. Ok. Ok. N'oublions pas que nous pouvons décupler l'eau... L'eau... Anna, pas, non, pas l'eau Anna. Décupler l'eau magique, là. Avec le la moindre couche d'eau, en fait. Ne l'oublions pas. On remontera quand on remontera, vous inquiétez pas. Ok. Ok. Parfait. Un petit peu de fibres supplémentaires, ça fait toujours du bien par où ça passe, comme je l'ai déjà dit. D'ailleurs, en parlant de ça, ce serait peut-être pas plus mal de s'en faire quelques-unes. Ok. Ici, les voilà. Crac. Et donc là, je peux me soigner un petit coup. Parfait. Ok. Voilà, on en récupère toujours un peu plus. Maintenant, on va casser un petit peu tout ça. On a des pioches. J'en ai plus qu'une apparemment, mais bon. Toujours ça de près. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais faire, merde. Non, non, non. Où sont mes torches? Où sont mes torches? Où sont mes torches? Je ne les vois plus. Je ne vois plus mes torches. Est-ce que vous, vous les voyez? Est-ce que je me trompe de... Les voici. D'accord. Hop. Par contre, j'ai dû virer mon... Mon truc de commande... Mon arrosoir. Est-ce que je peux tout simplement mettre les torches ici? Ou pas du tout? Ouais, non, ça va me gêner si j'ai besoin de soin. Donc, non. De préférence, non. Bon. Voilà. On va reprendre ceci. Ok. Mais non! Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Ok, j'ai bien fait. Et puis il est rapide en plus, j'avais complètement zappé qu'il était aussi rapide. Il remonte. Merci d'être passé. Alors,
Est-ce que je peux peut-être le mettre, les mettre ici, pardon, mes torches. Hop. Là, il y aurait bien du tungstène. Hop, dégage. Et il y a les petites saloperies de monstres cailloux. Pauvre bête. Je crois que je l'ai un peu cassé sur les bords. Ok, il y a même un petit peu d'or, donc bon, pourquoi pas. Hop. Ok. Ça marche assez bien. Oups. Il faudra, je pense, enlever tout ce qui est notification de ce jeu. Hop. Tungstène supplémentaire. Je vous rappelle que nous, on est à la recherche plutôt d'une veine d'huile, en l'occurrence. Ah, de l'huile, pas d'une veine d'huile. Mais je suis stupide. D'un gisement d'huile, pardon. Et que normalement, sur ce type de planète, on est censé en trouver plusieurs. Hop. Alors. Ok. Merde, j'ai cru l'espace d'un instant. Ça va faire ça, d'accord, pourquoi pas. T'es vraiment pas doué, toi. Hop, reste par terre, ça vaut mieux. Donc. Ici, il y a un peu plus de tungstène, je prends. Crac. Ah. Quelque chose à explorer ici. D'accord. Oula, et je suis pas tout seul dans le coin. Donc. Hop. Joli. Je l'ai eu. Il n'a malheureusement lâché que des pixels. Alors là, c'est un véritable problème. Non, il n'y a personne d'autre apparemment. En tout cas, dans l'espace proche, si je puis dire. Hop, merci. On a 4 pauvres minerais d'or. D'accord. Bon. Pas extrêmement intéressant. J'ai peur que la chute ne soit pas valable de ce côté-là. Hop, vous voyez, j'ai l'impression qu'on va devoir descendre énormément. Ok. Ah ah, de l'huile. Et des monstres. Dommage. Ah, ça a pas l'air de les ralentir plus que ça. Wow. Même plutôt l'inverse. De l'huile, génial. Nous l'avons donc finalement trouvé. Ça tombe bien, on va pouvoir donc remonter et s'occuper de tout ça, parce que c'est une nécessité pour tout ce qui est exploration souterraine, d'avoir de la lumière dans notre dos, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Oups, ça a failli. Crac, je peux pas remonter ici. Je dois donc passer par là. Mais là, ici, on a un petit truc à aller récupérer. Niveau tungstène. Et ça tombe, dommage. Dommage, dommage. Bon, je récupère, c'est pas grave. Hop, crac. Oula, et du monstre. Suicide. Je l'ai eu. Oui, je parlais peut-être potentiellement de mon suicide à moi aussi, hein. Dans ce cas présent. Allez, hop. Il va vraiment falloir que je me soigne. Aïe. Ah mais ces lags de jeu, c'est terrible. Ok, alors ici ça va être plus compliqué que prévu. Voilà comment on va faire.
Je pensais pas avoir. Bêtement, je pensais pas avoir à redescendre en fait. Ok. Voilà. Parfait. Et donc là, nous sommes déjà arrivés tout en haut. Donc c'est dire à quel point en fait il est plus dur de descendre que de remonter. Ah, mais mince! Touche à ton cul! Touche à ton cul! À ton cul! Voilà! Hop! Wouh! Bon, normalement, Alexandre devrait pouvoir faire une lampe d'exploration, si je me trompe pas. On va bien voir. On va bien voir, ce n'était pas ici, c'était plutôt ici, si je me trompe pas. Par contre, tu peux te pousser, s'il te plaît? Merci. Hop! Donc, normalement, il nous faudra donc 5 iron bars. Ensuite, on pourra faire 5 de plus. Et ce sera suffisant. Donc, 10 iron bars. Chose que normalement, nous avons déjà en stock. Parfait. Nous pouvons donc, dès à présent. Hop! Voilà! Hop! Et ça va être extrêmement. Extrêmement pratique, chers amis. Extrêmement pratique. On va même garder ça ici, comme ça. Puisque ça va tout simplement. Si j'arrive à le retrouver, ici. Nous éclairer très très légèrement, certes, mais nous éclairer quand même. Donc, c'est pratique. C'est accessible. C'est utile. C'est une nécessité. Alors, on m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse ça très rapidement aussi. Produire de la soie. Donc écoutez, moi je veux bien vous écouter. Hein. Je veux bien vous écouter, donc je vais aller en faire. Hop. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre avec ça? Du bois. Du bois déjà fait. Hop. Ah, mon personnage a la dalle. On va donc aller se prendre deux steaks qu'on va griller. Qu'on va griller difficilement vu qu'on n'a plus rien pour cuisiner. Vu qu'on a plus de place. Pff, dit comme ça c'est débile hein, mais. Hop, voilà, très logique. Mais oui, je viens de mettre un feu de camp sur des caisses en bois. Cherchez pas. Cherchez pas, je vous dis. Hop. Voilà. Ok, parfait. Bon, ça c'est fait. Vite fait, qu'est-ce qu'il fallait que je prenne d'autre? Je m'en rappelle plus. Blah. C'est bon. Hop, on va en faire une. On va aller le déposer sur la planète, une sorte de planète de farm, hein, pour le moment. On passera à autre chose, vous le savez, quand on aura les capacités pour le faire. Je vais la mettre juste à côté, hein, tout simplement. Nous embêtons pas, ne nous embêtons pas. Ça va être plus compliqué que prévu, apparemment. Hop, ici, parfait. Hop. Ok, donc apparemment pour le moment nous n'avons rien pour faire ceci. Nous avons des monstres cependant dans le champ, ce qui en soi n'est pas une bonne chose. Ok, bon, je vais pas m'amuser à remouiller tout ça. Ça ne vaut pas le coup pour l'instant. Surtout que j'ai oublié mon truc ici. Voilà, on peut revenir maintenant si on veut pour la forme. On va aller le faire quand même. Crac. Donc nous avons maintenant une nouvelle armure, une capacité d'éclairage donc Tiens, on pourrait déjà aller la tester, la capacité d'éclairage, ce serait peut-être pas mal. Pour l'instant il y a des torches partout. Bonjour. On peut déjà la voir, la petite capacité d'éclairage, voilà. Donc c'est pas grand chose hein, mais c'est suffisant déjà pour un... Enfin... Suffisant. C'est déjà pas mal surtout pour un départ. Ma foi. Je pense que ce ne serait vraiment pas mal. On verra bien mais. Pour moi c'est déjà pas mal. Alors, on remonte sur le vaisseau. Je suis pas trop mécontent jusque là. La prochaine étape, chers amis, c'est d'essayer de trouver du meilleur équipement sur d'autres planètes, voire sur la planète de toute façon de désert qu'on a pu visiter donc tout à l'heure. On retournera donc en profondeur et on essaiera de crafter ceci. Tungsten bar, glace et living root, c'est-à-dire qu'il nous fera en quelque sorte plus de tungsten bar. Et surtout, d'être un peu plus rentable sur nos systèmes de soins. Parce que pour l'instant, c'est vraiment pas top. Vous voyez là, par exemple, il nous fera du tungsten, de l'argent...
Là, il nous faudrait du titane, donc c'est pas pour le moment. Ici, pas pour le moment non plus. Ici, titanium, c'est pas pour le moment. Et ici, titanium, c'est pas pour le moment. Donc on peut améliorer déjà ceci, je crois. Tungstène, voilà, c'est ça. Et ceci aussi. Ce serait peut-être déjà un bon début. Ce serait peut-être déjà un bon début. Et ensuite, on verra bien. Ouais. Ok, bah écoutez, du coup, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'ont pas trouvé le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.